parti. L'excellent départ de l'extérieur, mais c'est bien Adalys à l'intérieur. Théo Hargniaux, on le voit sur Hernandez. Théo Hargniaux. Et c'est Joseph Franck qui. Voilà. La panne. La casse mécanique pour Adalys. Allez, c'est parti. Hein. Pour ce match numéro 2. Et Mads Hansen qui part devant. Mads Hansen, attention. Kovacic. Ah, énorme. Et Chris Harris là-bas. 4-3. Allez, c'est parti. Hein. Oh, Mathias. Et ça part très fort pour Mathias. Et attention à Tino Bouin qui est bien parti aussi. Ouais, et la panne de Jordan. Ouais, encore un coup. Et c'est parti. Ça part fort hein, du côté de Max Zilger. Et Max Zilger qui peut-être va sortir à l'intérieur. Mais attention, énorme Joseph Franck l'extérieur. Alors qu'il me semble que Mads Hansen vient de casser à son tour. Et ça y est, c'est fait pour les pilotes de l'Ariole. Et ça part, hein, ça part très bien même pour Kovacic. Attention à l'extérieur peut-être de Castagna. Allez, trois pilotes hein, au coude à coude. Attention, qui de Dilger ou de Dubernard. Et c'est Dilger hein, qui prend le meilleur sur Jordan Dubernard. Les deux pilotes de l'Ariole en tête, mais attention, oh, l'énorme extérieur. Ah, il assure hein, derrière. Sont là. Et la victoire hein, pour Dilger là. Oh, Adam Ellis qui est parti légèrement en avance. Ouais, l'extérieur énorme de Nicolas Kovacic sur Adam Ellis. Deuxième place. Joseph Franck en 4. Et c'est l'arrivée maintenant pour Kovacic. Ah, excellent départ de Mads Hansen. Ah, énorme. Hein. Excellent départ d'Hansen. Allez, c'est Dilger sur l'extérieur. Attention à Paco Castagna. Le pilote italien n'a pas dit son dernier mot. Et ce serait la bonne opération pour Morizès. Et ça part très bien pour Tino. Et regardez, Tino Bouin sur l'extérieur. Ah, super, Tino Bouin. Il a le rythme, Tino Bouin. Alors que devant ça se bataille énorme entre Chris et sa bonnette jaune qui réalise le meilleur. Ça rentre fort. Attention Mathias Trésarieux sur. C'est compliqué pour les pilotes de Morizès. Allez pour la manchon, c'est parti. Et ça part fort hein, pour Adam Ellis. Et tu le disais Kevin, ça part fort aussi pour Jordan Dubernard. Attention parfaite d'Adam Ellis, le pilote de Morizès. Il le sait, il faut récupérer des points. Et malheureusement, derrière, ça ne suit pas pour Castagna qui est pour Adam Ellis. Et la victoire, elle est là pour le pilote de Morizès. Et c'est parti. Et ça part fort pour Adam Ellis qui bloque Max Zilger. Et derrière, Mads Hansen. Attention à ne pas commettre d'erreur. Elle est peut-être là, la manche qui leur manquait. Pour recoller les morceaux. Et madame. Ça part fort hein, pour Hargniaux. Et attention, regardez à l'extérieur là-bas, Mathias Trésarieux peut-être là-bas. Et c'est Mathias Trésarieux, non, Hargniaux, le pilote finlandais, mais derrière c'est Castagna, l'extérieur énorme de Mathias Trésarieux qui part fort pour Dilger à l'extérieur. Et il resserre tout le monde forcément, le pilote allemand. À l'extérieur, juste derrière lui, c'est Chris Harris. C'est pas fini. La dernière attaque de Chris Harris peut-être sur Dilger. Mais ça suffira pas. Et non, c'est bien 3 points. Et c'est parti. Et ça part fort. Pour Joseph Franck à l'extérieur là-bas, non. Il se fait bloquer, c'est Théo Hargniaux encore. Et Théo Hargniaux qui aura réussi à contrer les attaques des pilotes de Morizès. Ah, c'est super. Et ça part fort encore un coup pour Kovacic. Mais attention, Adam Ellis à l'intérieur. Adam Ellis, Kovacic, il est là le duel. Kovacic toujours en tête. Adam Ellis en 2. Et Castagna qui. Kovacic toujours en tête. Adam Ellis en 2. Et Castagna qui.
Max, congratulations. First win of the year. I see you very happy, no? It was a hard match, only 1 point, and congrats. Thank you very much. Yeah, it was hard. As I said in the interview before, it's still very close, and Morrisseau fought it back, being in the lead even, and we managed to get the win in the end, so it doesn't matter if it's 1 or 5 points, we won, and that's the main thing. So, two home meetings to go, and I hope we can win at home as well. Max me disait que c'était très compliqué. Morrisseau est revenu au point. Ils avaient un seul point d'avance. Et finalement, c'est eux qui l'emportent. Donc, ils sont à quelques jours de recevoir les équipes chez eux. Donc, ils espèrent forcément gagner. Max, congratulations. Merci.